ça, je pense que c'est ça. Ça de même, ça va être plus, plus pratique, je pense. Le système de musique est trop bon dans ce jeu-là. Oh, regardez ça. L'œil dans l'œil. Wow. J'ai oublié que ça, ça pétait. Au moins, une fois que c'est pété, ça va pas péter une deuxième fois. Pentagramme, qu'est-ce que ça fait dans la vie, le pentagramme? Damage all enemies use, ok. Regardez mon bouclier. Heureusement, pour monter là, il faudra que je revienne avec quelque chose comme par là. Ça y est, offline. Checker le vidéo preview, on sait rien. La vidéo preview me montre online, là, buddy. On va essayer de l'ouvrir à partir de ça. Ah, je pense que je sais pourquoi. Laisse-moi y voir. Là, il devrait être correct. Tu peux y redemander, il devrait être beau, là, cette fois-là. Je pense que j'ai oublié de un-hoster la personne que je hostais. Alors là, je peux me jeter en bas. Yes! Faut du headbanging. Cool. Je sors un petit quelque chose en temps là. Wow! Il y avait pas de fog tantôt, c'est bien weird. On va pousser ça sur Twitter et tout ça. Vu que je pense à pas pousser, je vais le checker pour être sûr. Ah, ok. Le stream devrait marcher maintenant. Oui, la musique est bonne. Elle est tellement bonne dans celle-là. Bon, là, je peux baisser le volume étant donné que je l'entends.
Ok, il y avait la porte là-bas que j'avais pas ouvert. À la porte le chemin. Hey! Franchement! Ça c'était con, pardon. Je pense que je suis dans le chien externe. Ouais, ben, je trouve drôle qu'il y a quelqu'un tantôt qui est rentré sur la chaîne pis qui est venu me dire, regarde, passe à travers le plancher là pis si la chaîne n'aurait pas été en ligne. Passe à chaque. Sauf pas vraiment, c'est juste ça téléporte. On sort de 7. Et voilà. Un upgrade pour les cœurs. Ah, ça se peut, ouais. Ça peut être défoqué après. J'essaie juste de voir par où il faudrait que j'aille. Je vois là, ça passe pas. Allô, cœur. Ouais. Ah, c'est un jeu de PlayStation, hein. Fait que les effets sonores sont de l'ère PlayStation aussi, là. Comme un mix, la musique sonne très bien, mais il y a certains sons qui sonnent bien compressés, là. Comme la voix du bonhomme sonne compressée, mais la musique est très claire. C'est vrai que c'était une période où il y avait des les CD qui commençaient. Mais la musique à le château est tellement bonne. La musique qui joue présentement, ben pas là, là, mais là. Là. C'est une de mes trames préférées dans Castlevania passé sur le Sulnis. Ça descendre là. Passe à droite là. Ouais, c'est passe à droite. Vous l'avez jamais vu? Ça, c'est le premier Castlevania qui a apporté la formule, ce qu'on appelle Metroidvania. Dans le genre d'un grand château exploré, ça fait dans le même style que Metroid. Les autres avant, c'était tout le temps des plateformeurs action. Après ça, quand lui est sorti, après ça, tous les autres sont quasiment toutes devenus des Metroidvania. Ouais. C'est une formule qui marche très bien. Ah, moi ça m'a accroché en tabarouette le Castlevania. Parce que justement c'était gothique, c'était dark, c'était hot. Moi j'avais déjà dit à un moment donné, genre que j'avais pas une fascination, genre pas au point de dire ah, il est fou! Non, ben un intérêt genre à tout ce qui est genre monstre, démon quand même. Hein. Puis mythologie, puis enfin de même. Ça fait partie un peu du type de mythologie que j'aimerais. Que j'aime apprendre plus. Là. Anyway. Dans ce jeu-là, il y a une weapon. C'est, je pense, que c'est la Murasama. Qui est une arme extrêmement forte. Parce qu'elle gagne du pouvoir si tu fais saigner les ennemis. Puis c'est infini son pouvoir.
Fait que si tu farmes des ennemis qui saignent, tu peux te faire une arme genre qui va charger comme des dégâts de mongol. C'est pas comme un RPG en même temps, tu sais, un peu comme j'aurais pas Diablo, là. Parce que Diablo c'est random au total, là. Mais tu sais, il y a des drops, les ennemis drop des items, des affaires. Puis tu caches. Je sais pas où il a mis le cache, mais elle avait bien caché. Oh, le jeu de mots, c'était pas voulu. Smart Potion. Je dirais, si t'as jamais joué à ce jeu-là, ça vaut la peine de l'essayer. Ça vaut la peine de donner du temps. Puis de... Si t'as un PS3, de l'essayer. Sinon, je te conseille l'émulation, bien sûr. Non? Parce qu'il est juste vraiment bon. Mais présentement, je suis sur mon PS3. On peut voir, là. Fait que... Je l'ai en version digitale. Je pense que je l'avais aussi en disque, mais je le trouve plus. Non, pas original, malheureusement. Mais quand je te dis, je pense que je l'ai sur disque. Ouais, re-release, mais c'est l'original pareil. T'sais, c'est la version originale, mais en version digitale. T'sais, ils n'ont pas rien changé ce jeu à part le rendre compatible sur le PS3 en digital. Ouais, il faut gosser un peu pour les faire fonctionner. Un autre chemin, j'ai pas vu tantôt. Parce que je me retirais dans la même direction que je suis allé tantôt. Ah, on peut descendre vers le milieu. Je peux non pas ce grand corridor là. Il était un petit peu plus facile, je te dirais, sur certains points. Dans le genre que, étant donné que t'as une progression, t'as des niveaux pour faire la même, tu sais, tu peux, genre, si t'as un bout qui est tough, tu peux juste te leveler, puis retourner après, puis ça va être plus facile, tu sais. Bon ben, on essaiera tant mieux qu'on en revienne. Un des plus durs, c'est sur 3DS, Order of Ecclesia. Je dis qu'il est dur parce que, oui, il y a beaucoup de difficultés au niveau des boss à faire de même. T'sais, le jeu est quand même assez facile, pareil. Hein. Il est pas aussi tough que, disons, les originaux sur le NES. Ça se compare pas, là. Alors, les originaux sur le NES, c'était juste tough pour être tough. C'était fun, ben, mais c'était tough. Ok, non, déjà. Ah, c'est vraiment pas en haut, c'est une porte qui est déjà. C'est une porte barrée avec une magie, fait que je peux pas le voir. Ah, la fesse! Ah, le jeu est vraiment awesome.
Si moindrement t'es fan de Castlevania, ça vaut la peine de checker ce jeu-là, étant donné qu'il a comme inspiré les autres après, non? C'était le point tournant pour la série. Oui. Ah, on peut descendre. Ouais, ouais. Là, je suis pas descendu, tantôt. Ok, ils sont de place. Ouais. Élaboré comme mort, tu sais. On bataille. Ah, puis après, ça, il brûle. Je connais ça comme ça. Ok, ouais. C'est une bonne série, sérieusement. C'est sûr que les Lord of Shadow, ça donne une autre impression, là. Tu sais, c'est une reprise de la formule. C'est une reprise de la timeline. Donc, c'est pas pareil. C'est pour ça que... Hey, salut, Louis! Il y a d'avoir quelque chose ici, mais apparemment pas.